À Neuchâtel, la Bibliothèque nationale dispose d'une antenne supplémentaire, le centre d'Uhrenmatt, qui met en valeur l'œuvre picturale du célèbre écrivain suisse, la même où il a vécu. Nous sommes ici au Vallon de l'Ermitage, à Neuchâtel, dans la maison de Friedrich Dürrenmatt. C'est ici où il a vécu avec sa famille presque 40 ans. C'est ici où il a créé la majeure partie de son œuvre. Nous avons pu conserver quelques espaces mémoriels, c'est-à-dire des espaces comme lui, il les a laissés, comme par exemple sa bibliothèque. Friedrich Dürrenmatt, nous le considérons comme le Suisse universel. C'est encore aujourd'hui l'écrivain suisse le plus traduit, le plus joué, le plus adapté dans le monde. Et il était aussi un très grand peintre, mais ça, c'était resté une passion privée pour lui. Notre mission, c'est de valoriser et de transmettre l'œuvre picturale en dialogue avec son œuvre littéraire.